Bonsoir, bonsoir. Aïe. Bonsoir, bonsoir. Aïe. On va tester The Sinking City. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, est-ce que c'est la manette au clavier? Ah, manette. Alors. On va voir les paramètres quand même. Ok. Ça commence fort. Quoi ça? D'accord, tu trouves des... Voilà. Le prendre. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Ok. Commence fort. Ne
jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Les affiches sympas là. Je suis bloqué. On va lui parler à lui. Allez, dégagez de là. Ok. Monsieur Charles Reed, quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Johannes Vanderberg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur Vanderberg. Je vois que vous prenez le mot « dès » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johannes. Mais où sont mes manières? Bienvenue dans la fière ville d'Oakmont. Hélas, elle a connu de meilleurs jours, mais jamais de plus importants. Venir jusqu'à Oakmont n'a pas été une partie de plaisir. La ville ne figure sur presque aucune carte et ce pauvre bateau délabré est le seul à naviguer jusqu'ici. Comment ça se fait? Oakmont n'est pas un lieu ordinaire. Son emplacement géographique unique et l'inondation, une catastrophe naturelle récente, la rendent particulièrement difficile d'accès. Mais vous y êtes parvenu, monsieur Reed. Je suis sûr que les courants du destin vous auraient amené ici d'une manière ou d'une autre. Dites-moi plus au sujet de cette inondation. Ça a commencé il y a 6 mois. Les tempêtes ont fait rage pendant plusieurs semaines et le niveau de la mer n'a cessé de monter. À présent, la ville est coupée du continent. Je dois admettre qu'en dépit du côté peu pratique, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, vous savez. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Les visions empirent. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici, à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Ouais, pas de costume. Votre costume attire pas mal l'attention. Merci, monsieur Reed. Une simple inondation n'est en rien une excuse pour abandonner son style. Je suppose que vous aimez assez le jaune. Eh bien, j'ai un petit faible pour, oui. Appelons ça un penchant personnel. Comment puis-je trouver monsieur Throgmorton? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Throgmorton est assez facile à reconnaître, dirons-nous. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. L'habit ne fait pas le moine, monsieur Reed. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johannes. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. Non, il y en a des choses à me dire. Lesquelles? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Comment occupez-vous vos journées, monsieur Vanderberg? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Oakmont, la philosophie? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci, grâce à vous, je m'y retrouverai un peu mieux. Non, non, tout le plaisir était pour moi, monsieur Reed. Non, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter? Ne vous inquiétez pas pour ça.
Je suis le genre d'homme qui trouve ce qu'il cherche. Bien, bien. Salut Chatouna. Ça va, bien dormi? Sacré poulpe. Hein. Ah oui, oui. Très bien, j'ai récupéré de hier. Casse pas la figure. Lag un peu la capture vidéo. Là. Putain ça. Ah, level 3 déjà. Moi je crois que je suis level 2. Ouais, y'a rien qui est guidé en plus. Ah. Salut Alix, comment vas-tu? Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port. Il y a des chances qu'on rigole. À retrouver mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites? Eh bien, peut-être qu'on peut s'aider l'un l'autre, alors. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Que cherchez-vous à accomplir exactement, étranger? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue, qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent, un homme au-dessus du lot. Ce n'était pas lui. On va rigoler, je pense. La disparition d'Albert est un coup monté par ceux d'Innsmouth. Je vous dis. Est-ce que je peux modifier là? Je trouve ça lag. Capture vidéo. Non. J'attends. Hein. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Innsmouth dont vous parlez. Ces faces de poisson ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Innsmouth en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les Shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Throgmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poisson ne bouge le petit doigt. Mais non.
Parlons donc de vos rêves. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée de Throgmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines. Mon père s'est uni à une certaine famille royale, ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. Monsieur Throgmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres. Et puis, qu'avez-vous à y perdre? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. Pardon, avez-vous dit Vera? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté. Vera signifie très bien. En l'occurrence, marché conclu. Je vois. Merci. Je vais régler parce que le stream, il lag un peu. Êtes-vous donc sourd? C'est déjà tout dit. C'est un jeu, c'est une enquête à monde ouvert. Ce pêcheur prétend l'avoir amené. Avec une enquête, c'est un peu du paranormal, quoi. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Où est la maison où tout ceci s'est produit? Parquet. Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Ok. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Ok, là je peux régler. Le temps ici est fort agréable, monsieur Throgmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Ok. On va pouvoir régler ça. Paramètres, parce que l'encodage vidéo est très moyen. On va tester comme ça. Qualité de résolution. Descendre un peu, on va voir si on peut trouver le bon réglage. C'est plus fluide. C'est plus fluide. Peut-être monter un peu. On va voir. Ouais. L'évolution, on va la monter un peu. On va voir quand ça lag. Je vais le voir de toute façon. Si ça lag, c'est que l'encodage, il est pas bien. Là, on est bon. Ok. Donc, du coup. On peut rentrer là. Yes. Donc en fait son fils a disparu. Autant moucher pour retrouver son fils. S'il n'y a pas de tuto, il n'y a rien du tout. Hein. C'est un débrouille-toi. Oh. Alors la pièce qui est là-bas. Ce tapis pour chien a l'air plus confortable que le lit du maître. D'accord. On s'est trouvé des indices.
bouquin. Le livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. Je sais pas ce que je trouve en haut, à mon avis. Ouais, moi aussi. J'aime bien, moi. Alors, j'ai vu un escalier. Il est où ? N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose que j'ai loupé. Ah. Ah. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le renverser comme ça. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Ouais, moi aussi. C'est le même style. Bonjour. Hey. Vous m'entendez ? Ah. Oh, ma tête. Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh. Attends, t'as pas tout vu, Alix. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Je me souviens pas trop. Paul, Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Throgmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler Monsieur Robert. Et après ? Ah, c'est cool. Dans la chambre de Lewis. Ouais. Alexa. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Parkay, ma tête a explosé. On va pour donner des lieux qu'on n'a pas explorés chacun et l'autre. Après ça, je me souviens plus de rien. Ah, il est bien. Juste des rêves. Les rues submergées. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ah. Ça me dit quelque chose. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Amon. Je suis pêcheur comme les autres, et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth, Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais le train ne circule plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars ? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kai soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Throgmorton. Ce chansard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Throgmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Savez-vous comment Paul est mort ? Salut Dido ! Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà... parti. Que Kay bénisse son âme. Ça va et toi ? Et bien on va te donner le résumé du peu qu'on a commencé. Donc en fait, on incarne un détective privé qui est pris à des visions. Des visions assez particulières. Et donc il est embauché pour enquêter sur la disparition du fils d'un notable d'une ville. Et donc on vient d'arriver sur la scène de crime, enfin la scène de crime. Où tout a commencé. Qui est ce Kay dont vous parlez sans cesse ? Un peu de respect, étranger. Kay est notre seigneur, notre lumière, notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai tué Paul ? Par Kay ? J'ai fait ça ? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Ok. On a le corps de... Ah, il s'est fait... Ouais. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné.
Ah, il y a des visions. On commence à avoir des visions. Une confrontation violente a eu lieu ici. Mais quelqu'un a tenté de fuir. Ouais. Ok, on va faire le reste quand même. Voir si on ne trouve pas d'indice. Ouais. Après, il y a quand même. Il y a quand même des parties de fight. Hein. Et puis. Ça en a fait. On ressort là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Marrant. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Rien de plus ici. Manquait que 5 cartes pour un full house. Puis alors dans ce jeu-là, on n'est pas guidé. Hein. C'est vraiment. On va se débrouiller. C'est ganache. Oh. Hop. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. Sgrein in reg reingeb, reinglüh naftragne. Ah oui, d'accord, ça c'est la vision. C'est là. Ah oui, fou là là. Ouais. Attention, il y a un truc ici, j'ai ouvert donc je vais être obligé d'y aller. Ah, il utilise. Ouais. De singe. Alors voilà la scène. Il y a un truc là-bas aussi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est ce que je me disais. Ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ça, ce serait pas le 1. Le 1, il serait là-bas. Ça démarre ici. 1. 2. Quand Albert Throgmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. Ok. Alors ici, ouais, t'as vu la jauge bleue, c'est la santé mentale. Pour moi, c'est ça. Ah oui, l'œil de l'esprit, c'est sa capacité, c'est qu'en fait il utilise son don pour ouais. Ok. Ok. Ouais, la reconstitution.
La plongée et tout. Ah bah. Donc du coup, maintenant, palais de la mémoire. C'est ici. Ah, il faut tout faut mettre les choses dans leur... Ok. Alors, il est attaqué. Dès qu'il a repris connaissance, Lewis a tiré son avertissement. Non, c'est pas ça. Tu vois, on a fait la première déduction. On revient aux indices. Ah ouais, ça ressemble vraiment à Sherlock Holmes. Alors. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Ça, je suis d'accord. J'ai pas fini. Ah, ben, Rafu, quand il a été blessé. Non, ça va pas. Pas non plus. Il me met encore le palais de la mémoire, mais. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Si ça me met encore le palais de la mémoire, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Carnet de notes. Il a sauté par là et après on sait pas. On va aller voir lui là. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Ok. Il me semble que mes instructions sont claires. On peut pas lui parler. Connaissance. Aptitude. Carte. On sait pas du tout. Ouais, c'est vaste quand même. On sait pas du tout. Pourquoi il m'affiche ça tout le temps? Ah, mais déduction. Un autre... ça va pas. Ah, voilà, celui qui me manquait.
Je peux suivre les traces d'Albert. Ok. Donc du coup, carte. Est-ce qu'on peut se repérer avec la carte maintenant ? Peuvent récupérer. Hôpital, il m'a marqué les trucs principaux quoi. Alors carnet de notes. Ah. Grâce à mon sixième sens. Écoute. Votre sixième sens, hein. Voilà, ils sont partis par là en fait. Ils ont sauté. Et ils sont partis par là. Ok. Ah, ça sent pas bon. Hein. Il s'est passé un truc ici. Des douilles. Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Ok. Donc le pêcheur a... Il est passé ici. Albert, en dépit de ses blessures, est parvenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. Ensuite, il a été où ? Par ici. Ici. D'accord. Entrepôt. Ah, ça descend. Il y a quelque chose dans la poche. Je vais regarder, ouais. Ok. Peter. Ok. Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. Dites-moi si je vais trop vite, hein. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à tracer. On va quand même faire... Ouais. Alcool, morceau de métal, ça c'est pour crafter tes munitions. D'après ce que j'ai lu, il faut bien fouiller... Poudre à canon. Ouais, de toute façon ça se passe en bas. Comme fouiller le haut. On sait jamais. Ça s'ouvre pas. Ok. En tout cas il est bien sympa comme jeu là, ça commence bien. Je trouve que c'est... je peux pas y aller. Ouais je trouve, ouais. Ouais, je sens que celui-là... Il y a du sang ici. J'ai l'impression qu'il y a du bruit. J'entends du bruit tout le temps. Oh, c'est vraiment glauque, hein.
Un cadenas. Des ressorts. Ah. La porte refuse de bouger. Par contre, il va falloir que j'équipe quelque chose là, non? Ah. J'ai encore un truc à faire. Hein. Alors, Lewis est parti à poursuivre Albert. Non. Genre, là. Déjà là, il y a des indices. Ça. Ok, je peux le suivre. Lenteur. Ah, c'est comme ça qu'on fait en fait. Ah oui, d'accord, c'est avec ça que ça marche. Ah, c'est ça, ok. Qu'on recharge. Ah. J'ai trouvé. J'ai pas de munitions. Ça, c'est ballot. Voilà, c'est carré. Est-ce que je peux en fabriquer? Des munitions, parce que là fabriquer ouais, tu te fabriques en fait en ouais tu les craftes ou tu les ramasses ouais mais c'est pas un shoot'em up quoi hein. C'est les munitions sont limitées donc ça va être Oh putain. Ah, c'est trop calme. C'est ce que je disais. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Ouais, one shot. J'ai fait première année gardiana. Avec option archer. J'ai pas envie d'y aller, hein. C'est vraiment. Oh. Ah, il est bien prenant, ouais. C'est clair que. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé. Les preuves ont été récupérées. Donc je pense que là. Je m'en méfie parce que je l'ai pas shooté. De toute façon, j'ai beaucoup de pelle moi. Alors du coup je peux faire le. Je peux faire l'amalgame. Empaler sur un crochet puis dissimuler. Ok. Alors, non, yes, ok, la déduction elle est faite. Au bar du port d'Oakmont. Oh. Ça change d'ambiance là. Je sens que j'aurai du mal à sortir. C'est de remonter par là. Yes. Bon, du coup,
Ah oui, c'est clair. On va essayer d'aller voir le père. Hein. Pour lui dire que son fils est... Est-ce qu'il est encore là? Bon, je vais pouvoir lui raconter. Hein. Monsieur Throgmorton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Ouais. C'est ça. Non. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. C'est lui le notable de la ville. Ah mais non, mais c'est Lovecraft, tu sais, c'est... Il faut suivre, hein. Toutes mes condoléances, monsieur Throgmorton. J'avais espéré trouver autre chose. Mon pauvre Albert. Notre sang a tant coulé. Et en vain. Pour rien. Vos condoléances ne le ramèneront pas à la vie. Dites-moi qui l'a tué. Je veux le regarder dans les yeux. Qu'il me supplie de l'épargner. Ah, tu vois. Je ne sais pas encore exactement. J'ai plusieurs suspects, mais une enquête approfondie s'impose. Quel genre de détective privé êtes-vous? Le genre être minutieux. Quand je l'aurai retrouvé, je vous le dirai. Personne ne quitte le port jusque-là. Trouvez-moi cette ordure, et je vous aiderai par tous les moyens. Donc, du coup... Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut... C'est pour ça que j'ai pas dit que c'était le barman, parce que c'est un peu trop tôt pour... Ça semble trop évident. Alors, du coup, on va aller voir... Attends... Qu'est-ce que c'est... Placé sur la carte. Ah, il est où le bar? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Voyez la barque. Il n'y a rien de marqué, quoi. Il n'y a rien de marqué. Lewis se cache peut-être au bar du port. Ah, alors peut-être que... Peut-être que c'est dans le coin. Là justement, quand c'est vert, c'est que t'as fini. C'est quand c'est jaune que c'est... Donc du coup... faut que je trouve le bar. Alors, on va essayer ici, là où il y a le truc, là. Entrepôt. Voilà, toutes les preuves ont été récupérées en vert. Et ici, c'est que... Preuve clé récupérée. Et ici on est où? Le port. Ça c'est la barque. Mais je n'ai aucune info. Ça c'est l'hôtel. Police. Hôpital. Ça je l'ai pas découvert. Bibliothèque. Hôtel de ville. Ah ouais, c'était t'es vraiment... Lâcher à... Ah, faut que je cherche. Où est le bar? Eh ben... Je sais pas si on peut rentrer... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh... Ah, le bar. C'est affiché. J'ai quand même fouillé un minimum parce que si je veux... Munition et tout le bordel parce que, tu vois, c'est... Ah, c'est un vrai labyrinthe, quoi. C'est un vrai labyrinthe.
Tiens, les rats, ils ont une tranche. C'est Fukushima, la ville. Hein. Alors, le bar, il est là. Visiblement, je suis pas sûr de pouvoir sortir tant que j'ai pas... On va interroger là. Ça, on l'a trouvé. C'est cradingue partout, quoi. C'est vraiment... On va aller voir la dame d'abord. Ouais. Approche. Approche donc, âme perdue. Laisse-moi révéler ce que le futur te réserve. Vous êtes une sorte de voyante. Oui, mon cher, oui. Oh, c'est si clair. Ton avenir regorge de surprises, étranger. Non. En même temps, vu l'ambiance... Ah, vraiment? Comme quoi? Pas si vite, étranger. Je vois maintes choses. Et pour une petite somme, je te dévoilerai quelques-unes d'entre elles. Ok, combien? Un dollar? Ton argent n'a aucune valeur ici, étranger. Depuis l'inondation, les gens d'Oakmont payent avec ce qui sert. De l'alcool, des cigarettes et des munitions. Tiens, je vais même te faciliter la tâche. Je ne fume pas. Oh non. Peut-être une autre fois. Ah oui, je peux pas payer une balle pour... Alors, les munitions, c'est... On va aller fouiller en haut d'abord. Ouh. Bah, je crois qu'on y est là. Hein. Ah. Il s'y fait, lui. Oh là là, c'est particulier quand même. Okay. Mais bordel de... Ah, il a pris un gros mur, lui. Une très grosse murge, hein. C'est bizarre. Ça doit avoir ces notes de chauffage. La porte refuse de bouger. Bon, allez, on a tout fait en haut. Oh, sympa la tête de... Alors... La voyante, on l'a fait, on va faire les deux là. Restez sur vos gardes. Il y a des monstres sous terre. Ils sont partout. Je vais rater la distribution de rations des Carpenters avec cette foutue fermeture du port. On n'y parle pas. Ils ont plus. Oh. Bienvenue dans mon bistrot. Vous prenez quoi? Ah. Je cherche un homme du nom de Lewis Flynn. Vous savez s'il est dans les parages? Même si je le savais, je dirais rien à un étranger. Figurez-vous que je suis au courant de la dette que vous devez à Monsieur Flynn. Le souci, c'est que j'ai trouvé votre message près du corps d'Albert Throgmorton, le fils de Robert. On dirait bien que Lewis a des problèmes, donc. Peut-être même qu'il est venu ici pour se cacher. Mais si vous me le confiez, vous n'aurez pas honoré votre dette, vous comprenez? Drogue. Alors le sang, c'était... Bon, d'accord. Si ça me sort de ce bourbier, vous pouvez l'emmener. Alors? Il est en haut. Tenez, la clé. Yes. Je promets de lui régler son compte une fois pour toutes. Mais pas de fusillade dans mon bar, pigé. Sage décision. Vous avez fait votre bonne action du jour. C'est comme quoi il faut bien fouiller. J'ai aperçu des créatures plutôt troublantes dans le coin. Jamais rien vu de pareil. C'est quoi ces monstres? Alors, vous avez vu une malbête, étranger? Personne ne sait ce qu'elles sont exactement, mais
Estimez-vous heureux d'être encore en vie. Elles sont arrivées avec l'inondation. Il y en a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par Kay pour nous punir. Et qu'est-ce que vous dites, vous ? Si elles saignent, alors on peut les crever. Gardez votre arme à portée de main. Et si vous préférez les oublier, ma foi, j'ai le remède idéal juste ici. Souvenez-vous, mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage. Sauf si on est un étranger. Au revoir. Bon. Quand on peut pas se regarder. Yes. On va sauvegarder quand même, parce que je pense que ça sauvegarde auto, mais... Ah bah j'avais le tout de mettre. Alors viser, objet, ouais, se déplacer, épingler la preuve, de l'esprit, du tacticiel, l'arme caméra, interagir, s'accroupir, recharger, grimper, attaque de mêlée, courir. Voilà, ça c'est simple en plus. Ouais. L'appel, je l'ai là. Là, on court. Ok. Donc, on va rentrer. Hein. Ah ouais, police d'état, ouais. Hey, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je te canache. Astrid, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a engagé pour retrouver son fils, Albert. Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Brock, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez ? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. J'ai rien à cacher. Je sais pas quoi dire. On dirait une poiscaille, le mec. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était dans notre maison, Paul, Will et moi. Barry était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez, Lewis, concentrez-vous. Bon. Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous. L'arrêtez pas de dire que Monsieur Throgmorton nous filerait un pactole pour avoir sauvé son fils. Mais le singe... Il était inconscient, puis il s'est réveillé en un instant et il s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Quel genre de... Pourquoi votre visage ? Oh, alors vous êtes venu pour vous en prendre à moi juste parce que j'ai l'air différent. On veut me cracher dessus, en parler à ses amis. Encore un autre ? Non, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous. Ce n'était pas méchant. Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer. Vous allez en voir beaucoup par ici. Alors mieux vaut vous y habituer. Nous sommes fiers de notre identité. Il va peut-être me falloir un peu plus de temps pour m'habituer. Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semonce, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Pourquoi ? Je m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si je voyais plus que du sang. La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Et moi, couvert de sang. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire, et j'avais raison. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Throgmorton. Vous voulez m'en dire plus ? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors ? On a dû se battre pour chaque morceau de pain.
et ces Throgmorton dans leur grand château ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est ? Alors comme ça, c'est un étranger, hein ? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. Ok, ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Oakmont. Il y a les Carpenter, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth, par la famille Marsh. Et laissez-moi deviner, les Throgmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, monsieur Reed, me dénoncez pas à Throgmorton. Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de faim. Je sais pas. Là, je... Je vais y réfléchir. Décision à prendre à l'emporte-pièce. Je dois y réfléchir. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose pour vous motiver. Il me reste quelques balles. Alors là, il veut m'acheter. Vous pensez que vous êtes le premier homme à essayer de me soudoyer ? Pitié, monsieur Reed. N'abusez pas de ma patience, monsieur Flynn. Bon, ben là, on sait tout, hein. On sait tout, alors... Bon, il a quand même tué quoi. C'est quand même bizarre son histoire. Hein. Faut que j'en parle au Capitaine Igloo. Oh là là, c'est tout ganache. Alors. D'accord. Bon, mais cas de conscience, hein. Alors. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on choisit ? Le doute ? Il était possédé ou il était conscient de ses actes ? Moi je pense qu'il était il y avait quelque chose quand même. Mais après il le détestait aussi. Hein. Tu penses qu'il a tué délibérément ? Bon, on a un vote pour. Ah, alors ça fait deux troubles. Ah, ok. On met celui-là alors. Ok. Ah, ça c'est la déduction. Alors du coup... je pourrais tenter de le couvrir sans quoi Robert Throgmorton le jettera en pâture au lion. Ok. Donc... Je pense qu'il nous faut... Il faut qu'on aille parler au père. Là, ça va pas être une mince affaire parce que je pense qu'il est pas... Il va pas être commode le...
pas très évidente de lui. Alors est-ce qu'il est... On va voir ce qu'on peut lui dire. Les options de dialogue qu'on a. Ah, il est pas mal du tout, ouais. Ça ressemble beaucoup au dernier Sherlock Holmes que j'avais fait. Ouais, mais on sent qu'il y a des histoires de famille, de trucs comme ça, de clans. Ah. Donc, est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Ah, comme vous êtes trois. Ah ouais, on va voir ce qu'il veut déjà. Monsieur Throckmorton, je suis tombé sur des... Quoi? Je n'ai pas toute la journée. Sur des créatures étranges dans les parages. Et elles n'étaient pas vraiment amicales. Vous avez croisé ce qu'on appelle une malbête, monsieur Reed. Je suis étonné de vous voir toujours en vie. Elles sont apparues après l'inondation. J'ai financé quelques études sur elles. Mais nous n'en savons guère plus. Ce sont des bêtes violentes qui, fort heureusement, ne sont pas insensibles aux balles. Ouais, j'ai vu ça de mes propres yeux. Essayez de les éviter autant que possible. Faute de quoi, gardez bien le doigt sur la détente. Ouais, c'est ça. Donc, Chatoun aime en tirer. Dido et Elix. Ok. Il ne reste plus que Elix. Ah oui, après, ouais. J'ai retrouvé le meurtrier, mais il a été attaqué par ces choses qui rôdent dans les allées. Elles l'ont réduit en lambeaux. C'était le pêcheur d'Innsmouth, Lewis. Il était couvert du sang de votre fils. C'est peut-être ça qui a attiré les bêtes. Êtes-vous sûr que le corps est bien le sien? Sûr et certain. Il ne reste qu'un tas de chair et de tissu, des morceaux de sa veste. Demandez donc à ses amis. Hélas... Cette revanche était la mienne, et non celle d'une malbête quelconque. Nous devons agir et exterminer ces monstres. Malgré tout, justice est faite. Je ne pourrai jamais tout à fait tourner la page, mais au moins, je connais la vérité. Merci. Monsieur Throckmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent? Oui, vous l'avez bien mérité. Parkay, un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont? Ah mais du coup, j'aurais dû récupérer les balles alors. Puisqu'il me proposait des balles à l'autre. Je pense que je perds la raison, monsieur Throckmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Une expédition géologique? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source, en haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. Mmh.
L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit? Je l'ignore. Albert, en fait, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port? Où sont les autres? Ah oui, d'accord. Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition? Voilà. Est-ce si invraisemblable? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Ouais. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Par où devrais-je commencer? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. Et une clé. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Throgmorton, je voulais juste... Enfin... Plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Étienne. Qu'en est-il de mes dépenses? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici, au port. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. En munitions? Le dollar n'a plus cours ici, monsieur Reed. Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets. Ah, il m'a fini un... à faire terminer. Bon. Perdu en mer. Donc là, on remonte à la source du problème. J'ai une autre arme. Au nord de Coverside, au croisement entre Asher Road et Hubert Avenue. J'ai une autre arme. Très puissante. Alors ça c'est pour faire descendre le... Ok. Alors carte. Oh punaise, oh, pour trouver le truc. Faut que je trouve un... Coverside. Donc il disait que c'était... C'était où? Ici. Croisement entre Asher Road et Hubert Avenue. Ici. Ici au croisement, ici. Asher Road et Hubert Avenue. Ici. Non. Dans lequel voilà, là on sait où aller, donc il me faut le bateau alors que j'ai à pied. Mais alors à pied le problème c'est que tout est coupé, tout est ouais. Je vais passer là. Ah, je vais être obligé de... au moment de descendre. Hein. Ok. Donc ici.
va essayer, ouais, t'as raison, Elix. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on va faire style qu'on n'a pas eu de... Là-bas. Bon, je suis remonté là, moi. Je sais pas pourquoi. Pour fouiller un peu. Spécial. Voilà. Je sais pas si on peut monter, je pense pas. On va essayer de le voir, ouais. C'est qui lui? C'est quoi votre problème? Vous auriez pas une balle en trop, l'ami? Ça fait des jours que j'ai pas mangé. Je vais voir s'il veut bien me parler. On va essayer de gratter, ouais, quelques balles. Hein. La porte refuse de bouger. Trop tard. Trop tard. Ouais. On aura essayé. Hein. Alors, ici. Alors, si je vais là. Alors, il n'y a pas de carte automatique, il va falloir... Là, je passerai pas. Hein. Non, je suis obligé de prendre le bateau, là. Ah ouais, tout est coupé, je suis obligé de prendre le bateau. Obligé. Enfin, l'ambiance et tout, moi j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup. Je pense que ça va monter un peu dans les tours que le début. Ah ouais, mon bateau. Ouais, faut que je descende. Après, d'où le titre, hein. The Sinking City. Sinking, c'est quoi? C'est naufrage, c'est... Qu'est-ce que c'est ce bordel? Putain. Ah, t'as... C'est vrai que le jeu te laisse complète. T'es pas pris par la main, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Je veux juste mon bateau. Il est où mon bateau? Pas trop obligé de chanter quand même. Qu'est-ce que... Pas sauter. C'est jamais. Ah. Sur les toits. Oh. Non. C'est pas... Putain, je me suis bloqué. Non, c'est sérieux. Oh, de toute façon, je pouvais sortir. Ouais, c'est un peu la prohibition, hein. ce qu'ils disaient avec les trucs d'alcool et tout ça, ouais. Donc, parce qu'on a du mal à... C'est fait exprès, hein. Ouais. Putain, comment j'y arrive, là? Ah, mais Calan, je pense que j'ai trouvé. Je pense que je sais. Il faut sortir et faire le tour... Exit. Ah, cette vidéo.
Ce serait un petit souci quand même, hein. C'est clair que... Ouais. Ouais, l'expédition, c'est dans cette expédition qu'ils ont dû trouver un artefact ou quelque chose qui a fait que... Ça a déclenché l'inondation et tout le reste. À mon avis. Alors, dans nos maçons barricadés, infestés de monstres, un pire téméraire pour y trouver le sacré butin. Ok. Ok, les monstres les plus terribles ont leur faiblesse. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, ils ont pour moi, c'est ça. Ils ont réveillé un truc. Pendant les fouilles. Et ce qui explique l'apparition des bestioles, là. Pour moi, c'est ça. On va voir, mais à mon avis, ça va devenir... Ça va être tendu du string, là. Histoire. C'est mon petit revolver de chez AliExpress. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, du coup... C'est les marins, la photo des marins qu'il a vu dans le bateau, c'était complètement... En tout cas, les lieux et tout ça, l'ambiance, c'est énorme, quoi. Moi, j'aime bien, en tout cas, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que nous voyons ou croyons, Sim, c'est juste un rêve dans le rêve. En gros, si j'ai mes cours de collège en anglais, bon, ok. Il n'est pas sur Steam. Non, il est sur l'Epic Store, je crois. Ah, tu peux changer la tenue. Ça, c'est cool. Ah ben oui. Sherlock Holmes. Secteur. Oh la vache. Bonne nuit. On peut changer de tenue. Et alors, ben tout, non, il est bien foutu. Hein. Il est bien foutu. Après, il faut aimer, c'est sûr que c'est particulier, c'est... Voilà, c'est... Il y a des... peu d'action, mais enfin, pour l'instant... Ah bon... D'accord. Je me suis retrouvé à l'hôtel. Fermé. Quelque chose ici. Des cartouches. Yes. Yes, yes, yes. Il y a un truc qui tape dehors là. Je sais pas ce que c'est. L'ambiance est réussie. Oh, mon truc est tout. Je me sens un peu plus chez moi avec ça. Boston me manque déjà. Du coup, je pouvais changer de tenue ou pas? J'ai pas vu. Ah oui, je manteau chaud. Là, on peut se changer. Ah ouais, je préfère. Enfin, je préfère, ça fait moins... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On tout fouille. Ah, c'est mieux déjà, ça fait plus plus enquêteur là. Les traces, les symboles au sol me plaisent moyennement, tu vois. Ouh. Trouver des cartouches. En général, dans un jeu, quand tu trouves trop de munitions, ça sent pas forcément bon.
Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Ça sent pas bon. Puis entre ce soir et demain, à Chatoun, c'est la dose de surnaturel, là. Ok. La porte refuse de bouger. Putain, c'est quoi ça? Oh vache. Ouais, bon, c'est bien foutu, ouais. Franchement, ah, on peut monter. Parce que j'explore tout l'hôtel. Oh, c'est vaste. Hein. Comme faire toutes les portes. Hein. Ça mange pas de pain, et puis bon, au moins comme ça on aura des munitions. Poudre à canon, ça je pense que... Oh mais c'est... C'est quoi? Ouais parce qu'il y a plein de quêtes secondaires aussi. C'est vraiment complet. Oh, salle de bain encore. Oh, shot. Tu vois? Et je pense qu'il vaut le coup. Je pense qu'il vaut le coup. On va voir, de toute façon, on va le faire en stream. Hein. Je vais, une fois que je l'ai. Ouais, de la lumière sur le truc. Donc j'ai commencé. Oh putain. Les chats. Ah super sympa. Ok, je ressors par là. Oui. Il me reste une porte, c'est fermé, je peux pas monter plus haut. On va faire l'hôtel. Donc du coup, ça je l'ai fait. Et on descend. Ouais, 9 euros, ouais, 10 balles, franchement. Enfin, vous êtes réveillé. Ouf. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que si vous voulez rester ici, il va falloir arrêter tout ce vacarme. Ouais, je pense que je pense qu'on va le continuer, parce que je trouve un bien. Excusez-moi, mais qui êtes-vous déjà? Vous avez reçu un coup sur la tête ou quoi? Je m'appelle Victor Homestead. Je suis le propriétaire du lieu, du Devil's Reef Hotel. Du vacarme? De quel vacarme parlez-vous? Mes invités se doivent d'être respectables. Les gémissements, les chants, tout ça... Ça doit cesser, compris? Vous avez une preuve que c'était moi? Ça aurait pu être un de mes voisins, j'ai dormi comme une masse, je n'ai rien entendu. Vous êtes bien un étranger pour dire ça. Vos voisins sont des personnes respectables et ne feraient jamais une chose pareille. N'allez pas croire que votre bienfaiteur à capuche jaune vous protégera de tout. Vous n'êtes pas particulièrement agréable avec vos hôtes. N'est-ce pas eux qui font tourner votre hôtel? Tous les étrangers venus après l'inondation sont cinglés. Que voulez-vous dire? Vous n'imaginez même pas les notes et bouquins que je trouve après leur départ. Ils sont bons qu'à allumer le poêle. Je peux jeter un coup d'œil? Je le savais. Je vous dis que personne de Saint-Esprit ne serait intéressé, et vous, vous voulez jeter un coup d'œil. Eh bien, allez-y, allez-y. Prenez ce que vous voulez. Oh, sortons des canalisations. Ah non, mais... Des gros soucis là. Ouais, le H est sur les portes, ouais. D'accord, que la propriété est déserte. Les symboles en forme de croisillon servent à marquer les coffres et les caisses où on peut trouver des objets utiles.
Et V, c'est dangereux. Faudra faire gaffe. VK. VK, attention. Ok, bon, voilà. On descend de là. Le background quand même est assez... Alors le chat, tu veux monter sur le PC? C'est pas possible. Ah putain. Est-ce qu'on a autre chose? Là on a parlé. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Tout le bas. Après il faut... Ah, y a un H ici. Ok, on le voit sur la porte. D'accord. On va passer derrière. Je les surveille parce qu'elles ont la connerie dessus. Alors. Vive le beau temps. Ah, on peut faire un voyage rapide. Ok. C'est quoi ça? Un plan de la ville. Ok. Par contre j'ai plein de connaissances là. Ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Vestiaire, j'ai rien. Ah, il y a des trucs annexes. Placé sur la carte. J'ai pas trop compris le truc là, mais... Il y a plein de quêtes annexes. Il y a plein. Du coup, comment on les épingle? Épingle. Ah. On va toutes les épingler. Et du coup, sur la carte. Ouais, ça nous aide pas plus, hein. Un point de connaissance 1. Il y a trois spés différentes. Donc combat, vigueur, esprit. Permet de poser des pièges. 7 balles de pistolet en plus. Ah d'accord. On verra plus tard. Vigueur. Je pense entre la pour le craft surtout. Parce que tu vois ça te permet de. Alors attends. Permet de porter jusqu'à 25 exemplaires de n'importe quel matériau. Artisanal. Mettre de la survie. Donc je pense que c'est plus pour le craft. Ça c'est vitalité. Ok. Donc ça c'est combat. Mince. Et ça c'est... Attends. Ouh, grenade et bombes incendiaires. Oh. Ça c'est combat aussi.
La magie, c'est au second plan. Enfin, c'est au sixième sens, là. Y a pas. Par contre, j'ai pas compris le... épinglé sur la carte. Le problème c'est que ça me met pas de... Ouais mais c'est, il est plus riche qu'on pense. Par contre, les quêtes annexes... voilà quoi, tu te débrouilles quoi. Voilà, là tu vois, ça te dit d'aller à l'est de Salvation Harbor, au croisement de Fitz O'Callaghan Street et Old Church Road. Et en fait, je pense qu'il faut se rendre sur place. Donc ici, là aussi, c'est un lieu. Bon, c'est que des lieux en fait. Donc je pense qu'il vaut mieux... je pense, tu vois, comme la quête principale, tu vois, ça te donne une adresse. Moi je pense qu'il vaut mieux essayer de faire les quêtes secondaires pour bien monter en XP, comme tout comme les RPG quoi. Donc là, la femme abandonnée. Alors, à l'est, Salvation Harbor. Salvation Harbor. Où est-ce qu'on le voit? Ok, à l'est, donc ici. Par là. Là, c'est pas loin en plus. C'est... alors, Fitz. Fitz et Old Church. Cherche, je l'ai. Par contre, j'ai. Pourquoi j'ai pas l'autre Old Church, ça s'arrête ici. Et Marche Avenue. C'est pas Marche Avenue. Et Old Church Road. Ah oui, Fitz O'Callaghan Street. Je vois pas Fitz O'Callaghan Street. Je la vois pas. Parce que là, Old Church a fait tout ça. Mais tu dis que c'est dans ce secteur-là. Ici, j'ai trouvé. C'est ici, à cette intersection là, il faut aller. Exactement là, donc on va placer un repère. Là tu choisis ce que tu veux, femme abandonnée. Donc c'est toi qui poses tes trucs pour tes quêtes quoi, c'est même pas, le jeu t'aide pas du tout. Voilà, tu vois, c'est le parc Est Salvation Harbor, au croisement de Fitz O'Callaghan et Old Church, donc c'est ici. Voilà. Tu places tous tes trucs comme ça. Donc je vais aller au bateau et on va essayer d'y aller. On va faire les quêtes annexes d'abord avant d'attaquer la principale. Je pense que c'est un jeu qui mérite de pas d'être rushé justement. C'est excellent. Comment on met la carte? Ah bon, j'ai trouvé le bouton. Ah ouais, c'est le jeu. Il te prend pas par la main quoi. Bah ouais, puis prendre de l'expérience pour bien monter le plus perso quoi.
Putain, y a des mecs. C'est ici. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Là j'y suis au croisement. Ah oui. Psychotique, en tout cas je me gave à quoi. Putain de bordel, de putain de bordel. Bordel. Pas vu. Ah mais je suis mort. Oh. Et donc ouais. Ah, y a Bad qui est là. Ah ouais, d'avoir plusieurs rips, je pense. Là. Ouais. J'avais l'impression que les balles lui refaisaient pas grand chose. Bonne nuit, Elix. Faites entendre votre voix en votant. Choisissez avec sagesse. Qu'est-ce que j'ai gardé là? Longtemps. Et l'homme qu'il nous faut. Votez pour Chris. Votez pour Augmente. Faites entendre votre voix en votant. Choisissez avec sagesse. Voilà, je suis sorti du... Ah oui, c'est avant que je prenne le bateau en fait, ça sauvegardait.
Ah, c'est venu ça. Salut Bad, tu t'es reposé? Ça lag. Ça lag. Où est mon croisement là? J'ai toujours cru que ce serait la mer qui me prendrait. J'avais marqué mon truc ici, mais... Ah oui. Ah bah c'est ça, je suis ici. Ils font quoi là? Ah mais c'est baston là. D'accord. Ça me dit qu'ici... Faudrait que je voie hein. Est-ce que c'est elle? Elle a poil son truc là. Elle a poil. Oh mon dieu. Moi je suis au croisement là. Ouais c'est ça. Je suis au croisement. Berceuse urbaine, qu'est-ce que c'est ça là? Ah du coup, Tanner Street. Et on te cherche, mais c'est pas ici. C'est pas du tout ici, c'est là-bas. Le truc, c'est ici. Pas clair quand même. Si, pas clair. Bah si, si tu regardais bien, tu le voyais. Elle est où? Parti. On peut pas parler. On peut pas parler. Elle est où? Ouais, ils se foutent quelque chose les deux là. On le cherche. Ouais, c'est ça là, c'est le croisement. Par contre, il faut rentrer dans ce bordel. Bon, je vous dis.
ça descend. Putain, c'est le pire en pire. Alors là, ça pique. Waouh. Secondaire, on va le faire après. Hein. Je crois que je suis obligé d'aller dedans. Je pense que c'est là. Hein. Il y a terre. Regarde, elle est à peu près dessous. Voilà. Arrêtez. Elle va pas me parler. Hein. Elle veut pas me parler. Oui. Alors je sais pas si c'est là. Je pense que c'est là. Hein. Mais ça va être chaud, chaud patate. On va se regarder. On va se regarder parce que là, je le sens moyen. Là. Il me fait. J'ai coup de lag. Putain, vache. Ah, je vois un truc qui brille là-bas. Pour remonter, je sais pas comment je vais faire. Bonne nuit Dito. Demain. Demain c'est Phasmophobia avec Chatoun et Bad. On va rigoler. J'ai tout récupéré. C'est où que ça commence à se gâter là. En fait, doucement. J'ai me repéré l'escalier. Ah bah c'était là-bas. Comment je remonte moi là? Je vais prendre 5 minutes pour sortir les chats, je reviens. Parce que là, je vois les rideaux bouger dans tous les sens. Bonne nuit, Dito.
chance d'en sortir. On fait galérer, mais c'est bon. Alors, elle était où? C'était laquelle? C'était celle la première. Je sais pas si c'est dans cette baraque ou moi. En fait, si tu fais pas de bruit, ça se passe mieux. Je l'ai trouvé ici. Je l'ai retrouvé. Je trouve l'escalier. Il est où l'escalier, bordel? C'est là? Si. Absolument rien ici. Hein. Là, ça descend. Secondaire, je trouve pas. Celle-là, je la trouve pas. Même en vision de truc. Lieu, hein. Ça c'est pas clair, hein. C'est pas clair du tout, hein. Alors, autre enquête en face seule à l'est de Coverside, au croisement de Salt Alamo Lane et Kingsport. Alors, Coverside à l'est, Salt Alamo. C'est tellement je l'ai. Kingsport Street, ok. J'ai trouvé. C'est tellement et Kingsport Street ici. Là, on peut poser le deuxième repère. Ça. On va essayer d'y aller. Comment on va y aller, je ne sais pas. Parce que c'est le bordel. Ouais, faut que je fasse un sacré, des tours. Ouais, une sacrée recherche quand même. La carte, si, donc il faut que je prenne, j'aurais dû prendre à droite, ouais, c'est ça, à droite.
Avant à gauche, c'est au bordel. Pas celle-là, c'est la prochaine à gauche, encore à gauche. Oh là. Il pêche tranquille. Ah, c'est bad. Il pêche un AFK. À droite, tout droit, ok. Ça, je prends que je... Ouais. Ah, ça. Pour ces glauques. Assez vite. Oh putain, je peux pas avancer plus. Une blague. Ah, t'étais sur le téléphone, donc quoi, bada. À gauche là. On est arrivé. Un peu plus.
prochaine. Ici. Wow. J'espère juste que nous aurons assez de balles pour des funérailles décentes. J'espère juste que nous aurons assez de balles pour des funérailles décentes. Putain. J'en ai pesté. Ça indique tous les lieux en fait, c'est ça. Ok. Ça indique tous les lieux où tu peux... Ouais, c'est ça. Chaque fois les quêtes secondaires, t'as des lieux comme ça. Ok. On cherchera manuellement au fur et à mesure, hein, parce que on va essayer de faire la quête principale. C'était quoi la quête principale, hein? Alors, celui-ci est situé au nord de Coverside, au croisement entre Asher Road et Uber Avenue. Asher, Uber. Ah, mais je l'ai noté. Ok. Oh, par contre, pour y aller, si je peux y aller, il suffit que je fasse le tour. Okay. Le bateau, il est où? Il est là. On va avancer un peu l'acte principal parce que, à part des lieux, je vois pas trop les quêtes secondaires. Hein. Ça va la mer. Non, je me suis pas connecté. Je peux y aller si tu veux. Gauche.
Tout droit, je m'attends à la seconde. C'est aussi. C'est quoi d'ailleurs? Je sais pas. Ça marque le bateau sur la carte? Ouais, nickel. Alors Discord. Discord, je vais être obligé de faire venir ça. Ça démarre. Tant que ça démarre. Discord qui démarre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai été où? Discord. Il démarre. Alors on va le démarrer. Discord. Non, les moulinas. Les moulinas. C'est le live interactif. Chaud, moi. Ah, c'est bon. Yep, yep. Alors, j'en étais où? Bon, mais il est pas mal comme jeu. Moi, j'aime bien. Après, c'est... Ici, normalement, il y a l'entrée du... On serait ici. Allô, allô? Oui, je t'entends. Je t'entends. Bah, pas moi. Je t'entends que sur le live. Ça marche pas. Ah, c'est mieux. Ah, yes. Ouais, bah, tu sais, le Discord, ça, c'est vraiment bordélique.
Ouais. Ah, ça c'est le QG de l'expédition. Alors là j'ai trouvé. Bon, j'en ai une qui. Je pense que je peux me passer de la clé. Qu'elle avait aucune mort dans le jeu de fantômes et qu'elle est niveau 4. J'ai bien formé le futur enquêteur. Enfin, enquêtrice. Après, des morts avant de connaître, ça c'est obligé. Hein. On verra ça demain. Ouais. Mais t'es obligé de mourir au moins une fois parce que il y a des moments où c'est tellement chaud que. Ah oui, mais elle est morte une fois. Hein. Elle s'est fait avoir par un revenant hier matin. Là, depuis que je l'ai coaché en lui disant tu dois faire ça, bien précis, elle nous a pulvérisé le level. Je sais pas combien de levels dans ce jeu, mais c'est vrai que. Un tas de papiers trempés. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Mais il faudrait voir. Boucherie. À quel level il est. Mais il me semble qu'il est pas loin de 20-25. Quelqu'un l'a défoncé. Irréparable. Ok, ici je trouve rien. Et puis il faudra aussi que j'essaye de t'envoyer l'interface, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, à ce moment-là, je peaufine les petits détails manquants. Ouais. Mais il faudrait que je me connecte samedi après-midi pour l'installer, parce que si le soir, j'aurai pas le temps. Bah après, il est facile à installer. Hein. Si j'arrive à t'envoyer le fichier complet, t'aurais juste à l'importer dans le logiciel. Bon, là, je suis au QG de l'expédition où ça a mal tourné. Inuit. Ok. D'accord. Donc c'est ça, ils ont dû faire une expédition, ils ont dû réveiller quelque chose de moins cool. Ah oui, mais l'être humain adore fouiller là où il devrait pas. Donc forcément. Ah oui, parce que là. Ça tombe toujours mal. Après, il n'y aurait pas de jeu si. J'ai jamais vu un coquillage pareil. Ah, j'ai le coquillage. Ok. Du coup. Écoute-moi, j'ai. D'ailleurs, c'est un gros aquarium qu'il y a derrière toi? Oui. Oui, il y avait des. Oh punaise, j'avais pas vu. Espèce de. D'anguille. Ah ouais, mais ils sont encore vivants. Oh putain, oui. Il y a un truc là. Il y a un truc parce que. Ah, tu vois. Ce qui s'est barré. Ah, c'est pas mal ce système d'oiseau. Pièce cachée. Il y a une pièce cachée. Oh putain de bordel. Par contre, c'est normal qu'il y ait une petite ruine. Putain, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, mais casse-toi. C'est un petit côté Silent Hill aussi. Hein. C'est Putain.
tire dessus ou quoi? Ah, il me tire dessus le mec. Vise plus haut si tu veux le tuer, hein. C'est la tête qu'il faut viser. Mais c'est pas vrai, mais ça il arrive. Le gars, c'est une balle. Bordel. Qu'est-ce qu'il cache ici? Prenez les papiers, défoncez le reste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils veulent cacher un truc, hein. On n'a pas le temps de crocheter la serrure, reculez! Ils sont rentrés par là. Un petit coup de magie pour planter les choses. Ouais, il y a eu quelque chose, ouais, là. En bas, il me reste un truc. Ici. Plus bas. C'est à la cave. Comment je descends là? À travers le mur lumineux que tu as techniquement cassé. Ah. Moi je sors. Non, on rentre. Ici. Ça. Là, tu fais gauche, droite. Là. Mêlez-moi tout ça. N'oubliez pas les petites annonces. Il est temps de démêler tout ça. Ouais, mais faut que je mette l'ordre chronologique. Ben, c'est pas compliqué, hein. Ils sont rentrés dans le... Ils ont défoncé la porte. On n'a pas le temps de crocheter la serrure. Reculez! Prenez les papiers, défoncez le reste. C'est la cave après. Comprenons, c'est ça. Moi je l'aurais pas fait comme ça. Mêlez-moi tout ça. N'oubliez pas les petites annonces. Plusieurs hommes se sont introduits dans le QG d'expédition. Moi, j'aurais compté un, il monte le mur. Brûlés, même les journaux. Deux, pendant qu'ils défoncent la porte. Trois, pendant qu'ils recherchent. En bas, ils détruisent le truc. Non, mais c'était ça. C'était ça. Alors, il y a plein de trucs là. Ok. Ok. Ouais, ça je l'ai lu. Donc après, c'est quoi le prochain truc là? Ils sont perdus.
Ah, il faut que j'aille chercher un logmont chronicle au journal. C'est où? Non, c'est pas ça. C'est ça. J'ai trouvé. Il faut que j'aille ici. À l'augmente chronicle. Ok. Bon. Je sors de ce monde. Gros, ils ont trouvé des coquillages et des expériences. Et t'as Aquaman qui s'est énervé, c'est ça? En gros, il y a eu. Ils ont ramené quelque chose du fond. Et... Alors, attends, elle était où la porte d'entrée là? Ici. Ouais, c'est ça. Donc il faut que j'aille au journal de. Il est pas mal du tout, après ça demande un peu de minimum de. Ah, t'es. Faut être autonome quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu me. Ils ont voulu me supprimer. Il y a quelque chose, oui, t'es pas là pour rien. De toute façon, dans ce genre de jeu, tu n'es jamais là pour rien. Même si tu te sens dans une impasse, il y a toujours une raison, une porte de sortie. À droite, parce que là c'est bouché. C'est pas là que je vais aménager, c'est pas dans cette ville que je vais aménager, je te le dis. À gauche. À gauche et deuxième à gauche. Les vieux journaux sont près de la porte. Prenez-les et arrêtez de me déranger. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un étranger ? Je ne vous suis pas. Quel est le lien entre des étrangers et de vieux journaux ? Les nuits sont fraîches dans la rue et ils viennent récupérer les vieux journaux pour se réchauffer. Oui, je suis un étranger. Charles Reed, détective privé. Et j'ai également besoin de vos vieux journaux. Des archives, pour être plus précis. Ah, vous devez être celui qui a résolu l'affaire du meurtre d'Albert Throgmorton. Bon boulot. Je m'appelle Helen Blend. Dites, je peux vous demander une faveur? Accordez-moi une interview exclusive. Vous ne le regretterez pas. L'Oakmont Chronicle est le meilleur journal du coin. D'accord, je penserai à vous accorder un peu de temps, mademoiselle Blend. Ouais, Chatoun, ouais, on va le faire ensemble, je pense. Pas de soucis, parce que je pense que je vais le continuer, moi je trouve pas mal. Lequel? Mais ce jeu là, c'est intéressant. T'es bien pris par l'histoire. L'interview vous intéresse toujours? J'ai un peu de temps si vous êtes prête. Absolument. Nous savons déjà que vous êtes le détective qui a résolu l'affaire, mais racontez à nos lecteurs quelque chose à votre sujet. Après, ça reste un style. Je suis un détective de Boston. Fallout. L'affaire du port était un bon entraînement pour mes compétences. Elle est noire.
Eh bien, détective Reed, vous découvrirez vite que notre ville a beaucoup de secrets. Et de gens qui n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Nous aurons peut-être l'occasion de travailler ensemble, qui sait. Et maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui vous a amené à Oakmont ? Actuellement, je cherche à découvrir l'origine des phénomènes psychiques qui provoquent des visions et des démences dans tout le pays. Ah oui. Ça a également affecté les gens du coin. Mais l'inondation était au centre de nos problèmes. Robert Throgmorton a tout de même lancé une expédition. Effectivement. Puis il m'a embauché pour la retrouver. Ironique, n'est-ce pas ? Ça suffira pour le moment. Nous n'allons pas tout dévoiler à nos lecteurs en une seule fois. Merci pour l'interview, Monsieur Reed. Tout le plaisir était pour moi. Peut-être qu'on entendra parler de moi prochainement à nouveau, qui sait. Ouais. À plus tard. En gros, t'en sais pas plus, quoi. Non. Non, non. Alors, l'épreuve dans le carnet de notes. D'accord. Carnet de notes. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut consulter quelque chose ici ? Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Ah, dans ce navire. Petite annonce. Personne suit là. Ah, c'est pas ça. C'est ça, j'ai trouvé. De cargo. Ok, donc là normalement j'ai la suite. Ok, numéro 3 du port d'Oakmont. Port new. Ouais, mais il te faut 70 balles d'armes à feu. Il est ici, numéro 3. Il va falloir que je récupère mon bateau. Qu'on reparte. Qu'on redescende. Bateau, il est où le bateau ? Oh, il est pas loin. Donc je redescends.
Ok. Je cherche le bateau. Ah, tu vois, c'est le premier jeu comme ça où que je fais où t'es pas guidé du tout, quoi. T'as pas d'aide. C'est... Enfin, ça me rappelle un peu Skyrim à l'époque. Morrowind. Mais même Fallout, hein. Fallout, t'as une enquête où tu n'es pas aidé. Ouais. C'est vrai que... On va prendre à gauche. Il y a un film qui se passe comme ça, en pleine inondation et sous les pluies. C'est plus d'enfer. C'est plus d'enfer. Quand il y a des... Il y a Morgan Freeman. Oui, exact. Il est pas mal du tout en plus. Donc là je vais droite, gauche, gauche. Le nombre de balles, t'en as assez? Ah, les balles là? Ouais. Vu qu'il t'en demandait 70. Ouais, parce qu'il a, il est à vendre. Je pense pas qu'il faille l'acheter. On va voir. Commencez pas trop. Là je peux m'arrêter à droite. Ok. Quel numéro 3? La lumière alors. Parce qu'ils font les gens, ils sont tous ouais, ils sont tous au psychose. Ouais, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mon bateau il se retrouve là. J'ai loupé l'entrée. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il déplace le bateau de telle façon à ce qu'il soit le plus près de toi. Mm-mm. Ouais, je pense aussi. C'est derrière ce bâtiment. C'est ici. Soit loué, enfin. Hé, hey, à
l'aide! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Les monstres des mers. Ils ont envahi les terres. Je me suis caché ici. Mais ces murs vont pas leur résister. Aidez-moi à pitié. Je cherche le capitaine Sanders. Est-il ici, au port? Est-ce que les monstres l'ont eu? J'ai vu Sanders. Aidez-moi et je vous dirai ce que c'est. Une petite sauvegarde parce que je sens que ça va gifler là. Est-ce qu'il les a vus ces créatures? Ah oui, je les vois. Il s'est suicidé lui. Il s'est suicidé. Il m'a vu les peurs. Enfin, méfie-toi. Tué par balle, à bout portant. Ah putain. Ah bon là, tout le monde, tu comprends mieux qu'est-ce qui se passe chez les gens quand ils s'approchent. Ouais. Par contre, t'as pas examiné le tas de boyaux. Tas de boyaux. Derrière toi, le côté de la personne là. Poudre à canon, hein, parce que tu peux fabriquer tes trucs. Ok. Bon, c'est inventaire. Oh, mais j'ai une grenade. Piège. Ok. Je peux faire des grenades et des pièges. Ok. Ah, il est où le mec? Hop, t'oublies le tabouille à côté des cadavres. Je me suis occupé des créatures. Maintenant, parlez-moi de Sanders. Il est revenu il y a quelques heures. Ces choses, c'est à cause de lui qu'elles sont venues. Qu'est-il arrivé au Titania? C'était horrible. Une vraie boucherie. Je suis sorti dès que j'ai entendu les tirs. J'ai tout vu. Des marins en sang, à peine en vie. Le sang est entré en contact avec l'eau et... Eh ben... Les malbêtes sont venus tout dévorer. Ce Sanders, quel genre d'homme est-il? Un étranger. Il avait l'air d'un bon capitaine. Gentil. Il traitait bien son équipage. Je dois trouver Sanders. Où est-il? Je l'ai vu se faire la malle juste après les tirs. J'ai couru vers le quai... Puis je l'ai perdu de vue. Avez-vous aperçu d'autres membres de l'expédition? Non. Juste Sanders. Personne d'autre n'est revenu. J'en mettrai ma main au feu. Ah bah, ça veut pas dire... On sait pas où il est, alors. On sait pas où il est. On retourne voir le... Ça passe pas. Du coup, je sais pas... Du coup, ça me coupe un peu... Faut que je parte sur les quais. La mer est maudite ces jours-ci. Faut que je reparte là-bas, hein.
munitions. Je pense qu'il faut que j'aille au bout. Tu vois là, t'as le tas de boyaux. Oh. À côté, toutes les chambres vois, sont vides. Que t'avais pas regardé. On sent encore l'odeur de poudre brûlée. Est-ce qu'il reste du monde ici ? Oh, c'est un carnage. C'est un carnage le truc. Les monstres n'ont pas laissé grand chose derrière eux. Ouf. Faut pas avoir toute sa tête pour faire ça à un autre homme. Vu la bestiole qui reste dans ce qu'on va dire une partie de l'armée de la même. Tu devrais sauvegarder. Mmh. Ouais, je vais le faire. Ouf. Ouais. Ce genre de truc qu'ils ont dû trouver au fond de l'eau. Voilà qui ferait une pièce étrange dans n'importe quelle collection. C'est mignon. Putain. Cap code. Il y avait des marques ici, mais elles ont été effacées. D'affrètement. Là, on sait à peu près à quoi s'en tenir. J'espère juste qu'on n'a pas besoin de descendre. Ils étaient de bonne humeur et la boisson coulait à flot. Descendre, ça pue, c'est mort. Ce que je trouve bizarre, j'ai rien de spécial. Qu'est-ce qu'elle dit, ta supervision? Ah, ça y est, je l'ai mis là. Je l'ai mis, mais. Oh punaise. Il y a un truc. Il y a une brèche qui s'est ouverte. Ouais. Il y a une brèche qui s'est ouverte. Bah allez. C'est parti pour la punaise, y'a plein de trucs ici. Que la mer t'emporte. Ah, meurs, meurs. Il y a rien ici aussi. Ça doit être le début ça. Ok, bon, bah là, ils se sont entretués. Fini de boire. Après tout ce qu'on a vu, on n'a plus le droit à un verre de rhum. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Ici c'est le premier, je dirais. Ça commençait comme ça. Fini de boire. Après tout ce qu'on a vu,
On n'a plus le droit à un verre de rhum. Que la mer t'emporte. Ah, meurs, meurs. Ah, tu peux pas me tuer. Prends ça. Oui, c'est là. Pour une raison ou pour une autre, l'équipage s'est entretué. Un seul homme s'en est sorti. Ouais, c'est ça en fait, hein. Non, ouais, ils étaient en train de prendre le café ou de négocier un truc, ça s'est mal passé. Il y en a un qui s'est barré avec... Il s'est barré, mais... Père. Ouais, il s'est barré, mais il a reçu une balle dans l'épaule. Ouais. Cherche à se faire soigner. Hôpital. C'est l'hôpital. Mmh. Ouais, ou un médecin qui posera pas de questions. Hôpital, est-ce que j'ai un hôpital ici? Ici. Ici, qu'un hôpital. Donc je pense qu'il faut remonter ici, moi. Ouais, parce que ça, c'est l'asile. Je vois que ça. Ouais, c'est l'hôpital, c'est... Oui, c'est ça, c'est logique. Parce que là, au niveau salut des noms. Furio. Ça va, Furio? Ouais, il a fini de streamer. Moi, t'étais sur Remnant ce soir. Faudrait qu'on le teste sur un multi. Tu as la version Epic Game? Ok, donc on va aller sur à l'hôpital. À l'hôpital, donc il faut que je sorte par là. Ah, ça va être encore un sacré voyage là. Parce qu'une fois que j'ai le bateau. Ouais, sacré truc. Je l'ai pas testé encore, il va falloir que je m'y mette. Mais rapproche-toi à pied déjà de. Ouais, je vais y aller à pied. Par là, demi-tour. Il va falloir que je le fasse. Mais il faut être en multi, je crois. En solo, c'est y a pas grand intérêt. Moins de terre de jeu en multi. Ouais, bon après moi je l'avais eu gratuit sur Epic Game donc. Ça avait pas l'air mal ouais comme... Mais la carte ou pas?
la carte. J'ai continué tout droit, moi. Comme un idiot. Est-ce que je peux rejoindre Ouais, je pense. Oula. Yes. Là. Eh bien, le bateau est en place. Donc c'est nickel, t'as raison, Bad. Il se déplace avec moi, le bateau, en fait. Ça, c'est pratique. Alors, on va prendre... Ah oui, ça c'est simple, y aller. Moi je pense que ça se passe à l'hôpital, ouais. Ça évite de faire des détours. Ouais. Avec la barre. Ouais, sympathique ce petit jeu, ouais. J'aime bien. Je prends la droite. Ah oui. T'inquiète pas, il connaît le pourquoi vu qu'il est mort. Après, y a des boss assez vénères quand même. Hein. J'avais vu quelques streams dessus. On va passer là. Alors, là, on laisse tomber. Gauche, gauche, droite, droite. On avance petit à petit. C'est pas évident parce qu'on n'a pas du tout d'aide, mais. Je marche droite, droite, donc on va voir. Hein. On va essayer l'hôpital, et puisque de toute façon. Il était blessé. Bon, je vois que ça. Hein. Ou alors, comme tu dis, Bad, il y a un médecin qui l'aide. Ouais. Alors, c'est la prochaine droite, gauche. Ok. Mais ça, on le saura qu'une fois qu'on va éliminer l'option. Ah, un PNJ est tombé au milieu du truc. Ils sont tous en dépression dans cette ville. Tous. Ok, là on va y arriver. Arrête de me fixer, étranger. Et fous le camp d'ici. Eh, tu te calmes. Ça va vite régler, je te le dis, moi. Morgan Freeman là. Oh, mais tu m'attaques! Mourir étranger. Ouais, il me met une droite. Attends. Putain, ma santé mentale. Oh, tu perds la vie. Oh putain. Ouais, je sais pas avec quoi il t'a attaqué, mais. C'est quand même particulier. Tu te régènes, mais bon. On va arriver à l'hôpital là. Ah, il faut prendre l'autre côté. La vie remonte, mais doucement quoi. Ça. Tout en train de regarder la carte. Ouais, c'est ça, c'est ici. Venez, il y a sûrement quelque chose qui vous plaira. C'est moins cher qu'ailleurs.
ça. C'est encourageant. Patient ou visiteur? Attendez, attendez, le docteur Grant va deviner. Un visiteur. Le pain ne peut pas le mais mettre. Vous avez la mine pâle. Vous n'auriez pas migré. Hein. Ma tête? Rien à signaler, tout va bien. Vous êtes bien l'un des seuls ces temps-ci. Nous débordons de patients actuellement. Je suis à la recherche d'un homme tout juste admis. Plutôt mal en point. J'ai un service de soins intensifs rempli de patients mal en point, monsieur. Ok, mais vous en avez pas deux comme ça. Celui que je cherche a reçu un méchant coup de hache à l'épaule. Monsieur, je n'ai pas le temps de passer en revue une pile de dossiers médicaux. Mais si vous y tenez tant que ça, libre à vous de consulter nos archives vous-même. Pas facile de travailler dans ces conditions. Vous voulez un coup de main? Eh bien, franchement, oui. Mais il y a un vrai risque de tomber sur des malbêtes. Ça vous pose un problème? Je suis prêt à affronter les hommes autant que les bêtes. Comptez sur moi. Ah, je peux le voir dans vos yeux. J'entreprends d'étudier les malbêtes, mais il me faut plus de données pour confirmer deux de mes hypothèses. L'une traite des créatures arachnides et l'autre des humanoïdes cracheurs. Qu'avez-vous découvert sur les bêtes arachnides? Un de mes patients les a vus dans ses cauchemars, avant l'inondation. Je ne peux pas lui rendre visite, mais il doit savoir quelque chose. Voici son adresse. Ces créatures immondes paraissent presque humaines. Mais qu'est-ce qui pourrait transformer un homme en un monstre pareil? Jim Bells, un de mes patients, a été hospitalisé avec des symptômes rappelant le choléra. Mais il s'est ensuite métamorphosé en une de ces créatures. Fascinant. Voici l'adresse. Découvrez ce qu'il s'est passé. Au revoir. Oh, ça... Ça fait penser aux quêtes secondaires. C'est où? Ah ouais, non, tu peux pas le placer dans le... Il faut le placer manuellement à chaque fois. Ouais, ça c'est particulier. Ça a été avant l'inondation par des monstres, ok. Ça faudra que je le fasse les quêtes secondaires. C'est des quêtes aussi, mais là j'ai pas trouvé. Bon, on va trouver, faut que je trouve les archives, il m'a dit. Oh putain, c'est vaste. C'est très très vaste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Cartouche, morceau de métal. Est-ce que je descends direct ou... Cercueil. C'est un cercueil. Oh vache. C'est de mieux en mieux. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Si tu commences à pas te niquer maintenant, qu'est-ce que ça va être demain? Ah ouais. Ah mais demain tu sais vraiment. Déjà t'es dans le truc direct. Là c'est... C'est super vaste. Oh. Ok. Bon. Alors, je sais que ici, j'ai pas d'issue, donc je suis obligé de remonter. J'ai rien trouvé ici. Alors, surgery, storage. Ok. Ok. On va tout faire. Alors lui derrière lui, qu'est-ce qu'il avait ici? Les archives. Ah. Archive de l'hôpital. Patient.
Chirurgie. Ça va pas. Ça matche pas. Ça marche pas. C'est chirurgie. C'est pas ça ce sujet. Personnel. Non, c'est patient. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, le capitaine Sandel qui s'est réveillé en question avec à l'épaule. C'est celui-là. Hein. Je vais trouver. Joseph Willow. Entaille profonde dans l'épaule gauche. Je vais trouver. Je vais trouver. C'est sûr qu'il est là. Il est dans une chambre. Sauf qu'ils ont pas noté le numéro de la chambre. Bon, lui se touche l'épaule, t'as vu? Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsue. Ça non. Oh. Sympa. Putain, l'hygiène. Oh là là. Oh là, les chiottes. Bon, je pense que je l'ai trouvé, il est là. Que vous est-il arrivé, monsieur? Pete. Explosion. Pêche à la dynamite. Fait mal de parler. Pêche à la dynamite, vous dites? Vous êtes sûr que vous ne tenez pas ça d'une bagarre au port? Sur un navire, peut-être? Certain. Ouais, du balai, merci. Au revoir. C'est bizarre, quand même. Très bizarre. Il y en a un autre, là. Oh, génial. Super. Du monde ici. Aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à votre épaule? Bagarre dans un bar. Un vrai cinglé. Il a sorti un pistolet et m'a bien amoché l'épaule. Je peux vous aider? Je cherche quelqu'un. Le capitaine Sanders. Sanders, vous dites? Je connais pas. Moi, c'est Joseph Willow. Vous feriez mieux d'aller chercher autre part. C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain capitaine Sanders sur Massacre du Port. Allez, crachez le morceau. Ah, bon sang, bon sang. Qui vous a envoyé? C'est moi qui pose les questions, l'ami. Ouais? Eh ben, dites-moi un peu qui vous êtes. Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, elle a fini par se réveiller, Throgmorton. Je savais qu'un homme comme vous me retrouverait tôt ou tard. Que cherchiez-vous sous l'eau? La cause de... tout ceci. Les pierres. L'inondation. Les monstres. Les chercheurs ont trouvé des failles au fond de la mer. Ils travaillaient sur une théorie qui les reliait à la folie. Le fond de l'océan s'ouvre en grand et ça rend tout le monde fou à la surface? Vraiment? On a passé des journées entières au-dessus des failles.
On entendait des choses. On les voyait nous épier. Je pense qu'il serait peu dire de qualifier votre expédition de désastreuse. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais découvrir, monsieur Reed. Si seulement j'avais su. Peut-être qu'il serait encore en vie. Les chercheurs, mon équipage. Aucun d'entre eux ne méritait un tel sort. Dites-moi ce qui s'est passé lors de la dernière plongée. On avait un système. Les plongeurs descendent puis remontent à l'heure prévue. Mais pas cette fois. J'ai fini par envoyer une autre équipe pour les retrouver. Ils sont revenus avec Albert. Mais ils étaient tous terrifiés. À moitié fous. Saviez-vous qu'Albert Throgmorton a réussi à regagner le rivage ? Albert est en vie ? Il est ici ? Non, il s'en est pas sorti. Mort comme le reste. Assassiné au port. Mais qu'en est-il des autres ? J'en sais rien. Mon équipage les a laissés au fond sous l'eau. J'ai donné de l'ordre de les sauver, mais mes gars ont menacé de se mutiner. Si vous avez abandonné les autres à leur sort, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Vous n'y étiez pas. Jour après jour sur ce navire. C'était un cauchemar, monsieur Reed. On a vu des choses. Aucun de nous n'osait dormir. C'était une expédition en eau maudite. Soyez-en sûr. Je suis passé à bord du avant de venir ici. L'équipage avait l'air de picoler sec. Pourquoi ? Pour les empêcher de se mutiner. Pour les sauver du désespoir. Après un tel cauchemar, chaque homme sur Terre irait se saouler. Les fouilles ont donc laissé votre équipage mal en point. Mais que s'est-il passé au port ? Je l'ignore. Ils étaient tous calmes jusqu'à l'arrivée, puis... Puis ils ont complètement déraillé. Et beaucoup de braves hommes y ont perdu la vie. Vous pourriez m'amener sur le site de la dernière plongée ? Non, non. Vous ne pouvez pas les suivre, monsieur Reed. C'est du suicide. Ou pire encore. J'ai été plongeur dans la marine, capitaine. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne crains aucun croque-mitaine. C'est sans importance. Je vous y emmènerai pas. Et de toute façon, il est impossible de les suivre sans le bon équipement. Vous savez où je peux me procurer un bon scaphandre ? Mes gars sont équipés à l'usine du coin. Si vous êtes si entêté que ça, je vous donnerai l'adresse. Où se trouve le journal de bord du Titania ? Je l'avais sur moi, mais j'étais presque inconscient quand on m'a amené ici. Je me souviens de la salle de chirurgie. Puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. Bon rétablissement. Ouais. On sait un peu plus. Et la dernière chose qu'il se souvient, c'est la salle de chirurgie. Impossible d'emporter davantage, il faut que je fabrique là. Comment je peux en prendre plus ? Non. Je vais utiliser la trousse. C'est fait. Survie de la vie. Il faut que je fabrique aussi des...
Elle parle pas. Donc on va aller chercher des... où je pouvais sauter directement. Archéologie, je crois que c'est tout en bas. Me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Journal de bord. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait du journal de bord? Je suis full. Au niveau du truc, je peux pas prendre plus. Ah, je l'ai trouvé. Ancien mur. Ok. Toutes les preuves ont été récupérées. Non, oh, bah t'es parti pour la dent du diable. Me rendre en bateau. Scaphandre. Ça colle pas. Mais il faudrait pas que je fasse le rapport à... La prochaine étape, c'est chercher un scaphandre, prendre le bateau, y aller, quoi, c'est ça. Ça a l'air. Après, je sais pas s'il faut réellement un scaphandre, mais c'est ici. Oui, c'est quand même les eaux profondes. Je sais pas si je peux y embarquer, je suis pas sûr. Hein. Fais voir ta carte, dézoome un peu. Ouais. Ouais. Et après, il y a aussi le. Il faut récupérer des scaphandres. Hein. Acheter les scaphandres d'abord. Je pense. Ok. Bon, on a bien avancé. Lui m'a donné des 4 secondaires. Ouais, pas mal du tout ce petit jeu là. Ouais, on va le continuer progressivement. Sauvegarde. Est-ce que j'ai vu ça? C'est sauvegardé. Mais c'est pas mal. Continuera en stream, ouais. Mmh. Là, parce qu'il est bien fichu, j'aime bien l'ambiance.
pense que c'est là où on doit aller en fait. Allez, allez, on va repartir au Streamlabs. Bon, et bien demain bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait du Phasmophobia. Ouais. Aïe. Ça va être quelque chose, ça. Ah, ça va, on aura une nouvelle enquêtrice. Ah oui, on est trois. On sera trois demain soir. Donc, va bien falloir lui faire le baptême du feu. Oui. Après, il faudra voir un peu ce qu'il y a sur... Parce que plus tu montes de niveau, plus tu débloques des lieux. Moi, j'ai vu... J'ai vu un stream où il était dans une école primaire. Hyper grande, bah, je te dis pas la taille du truc. Immense. Enfin, t'as pas vu l'asile de fous, alors. Et encore, c'est que des cartes moyennes. Hein. On a pas vu les grandes. C'est vraiment... Mon avis, demain soir, ça va être excellent. Ouais. Ça va être très bien. Et Furio, tu l'as, Phasmophobia, tu l'as le jeu? Ouais, c'est un jeu de chasseur de fantômes sur Steam. Il est en train de connaître hein, sur Steam, tu l'as, et sur Twitch, c'est un truc de fou. Ça a été. Et à un moment donné, il est monté à. Attends, si je mens pas. 160 000 spectateurs, un truc comme ça. Un truc de malade. Là, ça s'est un petit peu calmé. Mais quand il est sorti. Et donc, c'est une enquête paranormale, si tu veux. Ça se joue en multi. Il faut traquer les entités et essayer de les. C'est tiré des séries Ghost Hunter. Ouais, mais franchement, en coop, c'est vraiment plaisant, quoi. C'est vraiment sympa. Hein. C'est à l'occasion de voir des streams dessus. Voilà, nous, on le fait demain soir. On va s'y lancer. On a déjà fait quelques petites incursions, et là, on va essayer de. J'en ai trois demain, donc on peut être jusqu'à quatre. On verra qui c'est qui veut venir, si Dido va se décider à un moment donné, ou un quatrième, on s'en fiche, peu importe. On verra ça déjà à 3 ce que ça va donner. Ouais. Ah oui, ouais, oui, celui-là aussi il a un sacré. Il marche très fort sur Twitch, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Faut qu'on s'y penche avec Bad, on n'a pas regardé encore. Enfin, j'ai regardé des vidéos, des streams, mais j'ai pas. Moi j'y ai joué. Ouais, c'est. Ça c'est sympa, quoi. Donc ça à voir, ouais. Ouais. Bon, demain soir, et puis il faut que j'arrive un peu plus tôt parce que. Pour Chatoun. Donc je pense qu'on commencera le stream. Au mieux un quart d'heure avant, on va essayer de démarrer. Le top serait de commencer à 9h30. Je vais essayer, mais ça va être. Si j'arrive à tout faire. Entre 9h30 et 22h. Ouais, bon, on va commencer avant parce que Chatoun me l'a demandé, donc je vais. Ouais, juste parce que tu l'as demandé. Ok, je retiens. Non, parce que je sais qu'elle le vendredi, elle se lève vendredi matin. Donc c'est vrai que si on veut faire quelques enquêtes, ça passe vite sur Phasmophobia, tu te rends pas compte. T'es dans le truc, ça passe à une vitesse. Bon, en tout cas, salut Furio, bonne nuit Chatoun. Et puis bah je vais le dire après puisque il y avait moi sur Discord. À demain, bonne nuit. Bonne nuit.